J'ai oublié de commencer à vlogger, mais du coup là on est arrivé à Jardy. Les camions viennent d'arriver et ils vont partir sur les recos. Voilà. Et du coup, pour expliquer, aujourd'hui c'est un concours par équipe. Du coup, il y a deux équipes. Une équipe Fou Bayard en club 1, donc les quatre mêmes que d'habitude, avec Anaë, Chris, Serena et Charlize. Et Carmen, je te laisse expliquer ta situation. Aujourd'hui, c'est un concours que par équipe. Et comme je suis un peu la dernière roue du carrosse. Oui. Bah, je suis une pièce rapportée. C'est la seule qui fait la club 2 en fait, dans en fait, de Bayard. Moi, j'ai été greffée à l'équipe de Marolles. Voilà, de l'UCPA de Marolles qui sont nos copains. Mais elle connaît pas encore ses futurs copains. Si, voilà, je les connais. Peut-être que c'est un les gens autour de nous. Ils le connaissent de WhatsApp. Voilà. Mais là, c'est la première fois qu'elle vous amis des réseaux. Putain, on est trop gênantes. Du coup, on part sur la reco de CSO. Non, de cross. Elle vient de dire CSO. Ils vont voir le vlog, hein. Elle a dit cross. Wow. Reco de cross maintenant. Ça, c'est le 2 de la club 1, le 2 de la club 2. Petite pause pour observer les obstacles que j'ai jamais eu l'occasion de sauter la semaine dernière. Enfin, non, il y a 2 semaines. Ce qui a causé ça. On a fait quelque chose aujourd'hui. On a mis un petit pochoir, vu que notre équipe amateur, elle a été championne de France en faisant ça. On reproduit la technique. Hop, 2 trèfles sur le cul, elle va gagner. Et là, du coup, Carmen, elle prépare pour partir sur son dress. Et c'est pas comme sur la dernière vidéo, là, elle montre Bilout et pas d'Artagnan. C'est qui outfit of the day. Une veste cassée, mais on verra pas parce qu'il y a le porte-dossard. Après, j'ai un pantalon un peu taché de la dernière fois. Les tâches sont parties. Et au niveau des bottes, on est sur quelque chose de très rapiécé, un peu troué, bah rapiécé, troué, cassé, un peu sale aussi. Nice. Du coup, la première à partir, c'est Carmen pour la club 2. Dormir, alors, du coup, Carmen elle a fini son dressage, elle est sortie en 65%. C'était bien pour une première vu qu'elle avait monté la jument littéralement deux fois. Voilà, et là, du coup, elle est sur la détente du CSO. Vas-y, vas-y. T'as dit quoi? C'est parti! Putain, elle est belle ma vie! Là, on voit plus rien, mais c'est parti pour le CSO de Carmen. Je sais plus parler. Elle est sans faute. Mais oui, c'était très bien. Alors là, du coup, on est parti sur le dress des clubs 1 et c'est Charlize et Frodo qui commencent. Les prochains à partir, c'est Chris et bébé Nono. Là maintenant, c'est autour de Serena et Skyfall. Autour d'Anaë et Amiral. À quoi les gens me font ça, mais j'adore quand ça fait ça. Anaë, elle trouve que c'était nul alors que c'était très bien. Dites-lui dans les commentaires que c'était très bien. Félicitations Michou. Félicitations d'Anaë pour avoir un ressenti où tu penses que c'est nul alors que c'est pas nul. Petite pause du midi avec la maman venue pour la fête des mères. C'est pour le vlog? Et mon petit frère, ouais. C'est la première fois que je suis sur le vlog, ok, salut. Moi c'est Romain, je suis célibataire, je suis en école d'ingé, voilà. Je peux vous donner mon Insta dans les commentaires si vous voulez. Comment il fait trop le mec, ouais. Voilà, mon petit frère. Et on mange.
de finir les crosses des clubs 1 et des clubs 2. Pour les clubs 1, oui. Anaë, Charlize, Chris, sans faute avec un peu de temps. Tout à fait. Et Serena, elle a fait deux refus. Et un peu de temps, bien sûr. Heureusement. Voilà. Ouais. Alors, mademoiselle. Trop bien, en vrai. Elle est bien? Ouais. T'as kiffé? Ok. J'ai fait qu'un seul refus, ils m'en ont annoncé deux. Alors, ah, mais t'en as fait qu'un. Du coup, c'est parti pour le CSO des 4 clubs 1. Du coup, Carmen, elle a fini 4ème sur 8, donc c'est cool, ça lui fait 12 points pour la motte, donc c'est bien. Fait 3 sans faute et 1 de barre, donc c'est trop cool. À bonne année! Bravo Charlize! Bravo Charlize! Bravo! Bravo Serena! C'est tout le monde! Bravo Chris! Du coup, je viens d'entrer chez moi et pour vous donner un peu les résultats finaux, je sais plus si j'avais dit, mais l'équipe de Carmen, ils ont terminé 4ème sur 8. Donc Carmen a eu une partie des points qu'il lui fallait pour qualifier sa jument, donc ça c'est top. Et du point de vue de l'équipe des clubs 1, ils ont terminé 5ème sur 10, donc 2ème quart. Et du coup, Serena, elle a pu avoir quasiment tous ses points pour se qualifier pour la motte. Charlize c'est bon, Chris c'est bon, donc franchement, un concours qui se termine quand même bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, qui sera pour un vlog concours du dressage de la semaine prochaine, qui est à la Plaine Saint-Hubert, où je déroule une club de Grand Prix et ma RLM. Bisous. Salut l'équipe, moi c'est Romain, je suis frère de Vaiana et bienvenue dans mon tout premier vlog que je fais au cheval. Ça va être un truc de fou, je vous ai réservé plein de caméras cachées, j'ai filmé tout le monde pendant que eux filmaient. Ça va être fou de folie, je suis trop heureux. Déjà, faut que je vous raconte le début de ma journée. C'est-à-dire que tout le monde s'est réveillé à 5h30. Moi, je suis quand même gentil, je me lève à 9h30. Vous vous êtes déjà levé à 9h30? Je suis désolé, c'était beaucoup trop. En plus, après, j'ai dû aller manger un brunch, c'était super bon. Puis je dois conduire 45 minutes de voiture pour emmener maman ici. Et là, la décadence. Déjà, tout le monde m'accueille avec un grand sourire et tout. Tout le monde est sympa. Ils me disent, ok, tu sais très bien, tu vas pendant 5 minutes, aller filmer des gens. Waouh. Waouh. Je suis totalement fou. Je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai filmé des gens, mais pas les bons. Voilà, du coup, après ces 5 minutes de filmage vraiment intensif, c'était très dur. Je pense que je vais aller prendre un coca et dormir une ou deux heures. Maman, je peux l'avoir ça? Celui-là. Je le donne à Pipou. Mais tu sais qu'il y a des jeux. Pipou! C'est ça des éperons ça? Hein? Ça, c'est juste des étriers. Non, c'est des éperons avec derrière. Ah, il y a dedans. Okay. C'est ça, mais derrière et pour. Ah, c'est des trucs de crocs. C'est trop chaud, ouais. Ça! C'est trop chaud! Les marteaux, c'est top. Sors-moi le règlement. Tiens. Oui, mais les parcours vont comme ça. Ouais. Donc, s'ils sont par là. Ou... Plutôt par là-bas, du coup. Non, soit ils sont par là. Ouais. Soit ils sont là-bas. Tu vois? Non? À part avec sans orientation, c'est sûr qu'on n'est pas. Pas de la démerde. Il reste plus que le CSO et après je vais pouvoir rentrer chez moi et jouer aux jeux vidéo. Mais le problème c'est que là il est en train de pleuvoir et j'ai absolument pas envie. En tout cas moi j'aimerais remercier maman parce que la seule journée où je viens il pleut. Et ça c'est sympa. Et en plus il n'y a pas de concours pour Vaiana. Ouais. C'est cool. Enfin, c'est mieux ça que la semaine... il y a deux semaines où je suis tombée. Hein. Là ils y sont déjà. Annabelle et Sébastien. Et voilà, c'est la fin de ce contre-vlog. J'espère que vous avez bien aimé, surtout ma partie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en disant « Waouh, ton frère, il est trop bien et tout, je l'adore. » Et au revoir, transition youtubeur.